Bonjour. La crise sanitaire actuelle nous empêche de nous réunir tous ensemble dans une salle de conférence. Aussi, l'Association des Amis de l'Histoire de Colombes, Bois-Colombes et la Garenne-Colombes, en partenariat avec la ville de la Garenne-Colombes, va venir chez vous pour faire une conférence virtuelle sur le quartier de Charlebourg. Administrativement, la Garenne-Colombes est divisée en quatre quartiers, le centre-nord, le centre-sud, les vallées et les Champs-Philippe. Mais il existe un quartier plus ancien qui a été depuis très longtemps et qui est à cheval sur deux quartiers actuellement. Et c'est l'histoire de ce quartier de Charlebourg, le quartier de Charlebourg, de la Garenne-Colombes, que nous allons évoquer aujourd'hui. Donc ce quartier est délimité par la ligne de chemin de fer au nord, le boulevard national à l'est, Courbevoie au sud et Nanterre à l'ouest. Alors d'où vient le nom de Charlebourg? C'est un sujet très controversé dont nous n'avons pas la réponse exacte. On sait que le journal Le Gaulois du 17 juillet 1912 cite lui Charles le Chauve à propos de l'inauguration du premier tramway Neuilly-Charlebourg. Je cite « Charlebourg, au premier abord, ce nom d'allure carolingienne a surpris bien des gens. Qu'est-ce que Charlebourg? Et d'où vient ce nom? Il vient de Charles II, le Chauve, tout simplement, et cette localité, perdue dans les solitudes assez mornes qui séparent Courbevoie et Nanterre, tire son nom du bourg que l'empereur Charles y créa pour lui servir d'abri et de repos lorsqu'il courait le cerf dans les plaines jadis boisées qui séparaient Clichy, sa résidence, de Nanterre, où il avait fait édifier un oratoire en l'honneur de Sainte-Geneviève, patronne de Paris. Et voici comment, en prenant le tramway, moyennant deux sous, on apprend tout un petit chapitre d'histoire de France. D'autres historiens parlent de Charles II d'Angleterre, qui est réfugié avec sa mère au château de Colombes, avec sa mère la reine Henriette, et qui aurait pu fréquenter peut-être le château de la Garenne, ou du moins le hameau auquel son nom aurait été donné. Bon, tout cet Charles II, Charles de France, Charles II d'Angleterre, c'est peu probable, puisque sur les cartes d'époque, le nom de Charlebourg ne figure jamais. Une dernière version évoque Charles X, roi de France. Monsieur Ducray, qui était quincaillier place de la Fontaine à la Garenne-Colombes, et aussi un historien local de la Garenne-Colombes, évoque lui, effectivement, Charles X. Le roi avait une notoriété de grand chasseur. Il venait ainsi très souvent chasser dans le fief de la Garenne, réservé depuis fort longtemps pour les chasses royales. Il advint qu'un jour, il débusqua un cerf. Ce dernier, prenant peur, sauta au-dessus les treillages qui avaient remplacé l'ancien mur et s'enfuit vers un petit hameau composé seulement de quelques bicoques et encore sans nom. Le roi et sa suite poursuivirent le cerf et vinrent le forcer dans ce petit hameau. À cause de cette visite royale, et pour en éterniser le souvenir, les habitants associèrent le nom de ce roi à leur village. Bon, s'il est sûr que Charles X fut un grand chasseur, Eugène Chaput, qui a rédigé tout un ouvrage sur les chasses du roi, ne parle jamais de Charlebourg. Et la première apparition, en 1824, sur une carte, on voit Charlebourg-Auberge, laisse plutôt supposer une autre origine. En 1820, tout le domaine de la Garenne-Colombes appartenait à Adélaïde et Maurice Rubichon, qui sont un frère et une sœur. Et Maurice Rubichon était un ultra-royaliste, proche de Charles X. Et on peut supposer qu'il a donné le nom d'une partie de sa propriété, Charlebourg-Auberge, à un coin de son domaine, en l'honneur du sacre et du couronnement de Charles X en 1824 et 1825. Donc, je pense que le nom de Charlebourg vient de cette époque-là. Alors, jusqu'au début du XIXe siècle, la Garenne de Colombes n'est pas franchement renommée au point d'y attirer des touristes, par ailleurs fort rare à cette époque. Les visiteurs qui pouvaient venir venaient au château. Ils venaient au château pour y cacher leurs amours ou pour venir à la chasse. La première idée de tourisme semble avoir germé dans l'esprit donc de ce Maurice Rubichon, qui était aussi un économiste, vers 1820. Il va construire à une date indéfinie
mais que nous pouvons estimer entre 1820 et 1825, un ensemble hôtels et restaurants, et curieusement, entre les deux, il va construire une usine. Cet ensemble était destiné à aviver le lotissement de la Garenne-Colombes, puisque ce sont les premiers à vouloir construire une ville sur ce domaine. Ils avaient donc construit une partie hôtel-restaurant au coin, et tout en haut, on voit la ferme de la Garenne, qui était une grande ferme expérimentale qui était construite à la place maintenant de l'actuelle place du Souvenir français. Tous ces éléments devaient permettre de nourrir et de les habitants du futur la Garenne-Colombes. Donc dans ces premiers bâtiments qui ont été construits, je vais vous parler tout d'abord de l'hôtel des Chasses. L'hôtel des Chasses, en dehors du château de la Garenne-Colombes, est un des premiers bâtiments qui a été construit à la Garenne-Colombes. Il a été construit, on peut estimer, entre 1820 et 1824, puisqu'il n'existe pas dans le contrat d'achat des Rubichon de 1820, et il apparaît sur les cartes d'état-major en 1824. Les Rubichon qui voulaient lotir la Garenne-Colombes, et qui pour cela ont eu des prêts, ont été obligés d'hypothéquer le terrain pour pouvoir avoir les fonds. Et en 1825, lors de l'hypothèque, on a un détail de cette maison. C'est une maison à usage d'auberge, dite maison du bout de la Garenne, élevée de 2 étages avec les cours, écuries, remises et greniers qui en dépendent, le tout situé commune de Colombes, arrondissement de Saint-Denis, département de la Seine, sur les 3 routes de Courbevoie à Beson et à Colombes. Une autre maison en double profondeur, élevée de 2 étages, avec les cours, écuries, remises et greniers qui en font partie. La maison située même commune de Colombes sur le bord de la route de Courbevoie à Beson. Donc le premier nom de l'hôtel des Chasses va être la maison du bout de la Garenne. Donc on a ici un plan de l'hôtel des Chasses en 1834. L'hôtel des Chasses, sur ce lot, ce sont les lettres I et K. Voici la description de cet hôtel lors de la liquidation de la société du parc de la Garenne en 1832. Le lot situé sur la route de Paris à Beson se compose d'un terrain au devant, d'un grand bâtiment appelé Hôtel des Chasses, c'est la partie I, et d'un grand hangar à gauche, donc c'est la partie K, et d'un terrain à la suite avec un puits près de l'hôtel. Alors le puits, c'est la partie E en haut, qui est la partie commune à la fois à l'Hôtel des Chasses et à l'usine. Le terrain au devant, pavé, est sans clôture, et sur la grande route, et peut être considéré comme la cour d'entrée. Le bâtiment, appelé l'hôtel, double en profondeur, ayant 5 croisées de face, donc 5 fenêtres, est élevé sur une cave d'un rez-de-chaussée de 2 étages carrés, avec grenier et au-dessus sous un comble couvert en tuiles. Le grand hangar, partie K, est composé de 10 travées avec poteaux en bois sur dés en pierre. La première partie joignant l'hôtel est à l'usage de remise et sans clôture au devant, avec un mur au fond, s'étendant sur toute la longueur du hangar et faisant retour d'équerre à gauche sur la route. Les 2 autres parties sont fermées sur la cour de portes à 2 vantaux et forment à l'intérieur 2 écuries. Le terrain à la suite fait aujourd'hui partie de la Garenne de Colombes et il est de forme régulière et il s'étend derrière l'hôtel. Donc un hôtel avec un terrain derrière. Je vais vous résumer les détails intérieurs de cet hôtel puisque les documents sont forcément très longs. Et donc, je vais vous faire un résumé. Les caves se composent de 2 berceaux voûtés en moellons piqués, formant 4 caves en terre aérée par des soupiraux. Donc là, on a les photos de l'escalier qui descend à la cave et des caves voûtées. Donc il y en a 2 devant et 2 au fond derrière. Le rez-de-chaussée consiste en un passage de porte cochère au milieu, 3 chambres à gauche avec cuisine et 1 chambre à droite. Donc vous imaginez un bâtiment avec une immense porte cochère ouverte au milieu. Le passage de porte cochère occupe la hauteur du rez-de-chaussée et du premier étage, à la hauteur duquel, premier étage, est un pont servant de communication aux 2 logements du premier étage, séparés entre eux par le passage donc, de cette porte cochère. Ce pont est construit en bois avec garde-fous de chaque côté. Donc une grande porte cochère avec un pont qui passe au niveau du premier pour faire couloir entre les 2. Au rez-de-chaussée, dans le passage donc, sous la porte cochère, sont 4 portes
À gauche, donc, trois chambres et une donnant sur l'avant de l'hôtel et deux sur l'arrière. La cuisine à droite est ouverte sur l'avant et est chauffée par une cheminée en hotte avec un âtre relevé en briques. La chambre à la suite est éclairée sur la garenne par deux fenêtres, cheminée avec chambranle en pierre et porte pleine d'entrée donnant sur le passage. Donc là, on a la cave qui existe toujours. Là, on a les portes d'entrée. Le premier étage consiste en quatre chambres. Donc au premier étage, vous avez quatre chambres avec la porte d'origine qui existe toujours. Au deuxième étage consiste en un corridor avec sept chambres et un cabinet d'aisance. Bon, comprenez des toilettes. Le grenier est éclairé par deux lucarnes en chevron apparent, aéré en plâtre et fermant d'une porte pleine. L'escalier desservant le dit hôtel est construit en charpente et maçonnerie à linteau tournant avec rampe en fer et main courante en bois. Donc cet escalier existe toujours. Donc on revient sur cette carte-là. Dans les cahiers d'enchères des 1er juin 1834 et 21 mai 1842 et le bail de location des locaux du 4 octobre 1843, le descriptif est plus court. En 1843, les locataires sont Pierre-Victor Gou, fabricant de fécules, et son épouse Marie-Louise Eudoxie Aubin, qui sont des habitants de la Garenne-Colombes, qui louent et qui vont finir par louer tout le lot. Hein. En 1834, donc à l'image de à l'époque de cette photo, cette maison consiste en un grand bâtiment côté I sur le plan, composé au rez-de-chaussée de trois chambres et une cuisine, au premier étage donc de quatre chambres et au deuxième étage de neuf pièces, dont quatre acheminées, des caves et un grenier. Il y a une remise sur le côté ouverte de 40 mètres de longueur, côté K sur le plan, et une pièce de terre labourable derrière les dites remises de la contenance non comprise, celle de l'emplacement des bâtiments, de 13 arts, 83 centiards. Donc pour vous situer à peu près ce bâtiment, vous avez ici la place Charlebourg, et ici vous avez un grand immeuble avec un restaurant Istanbul au rez-de-chaussée, et ici vous avez un cabinet médical qui vient jusqu'ici, et là vous avez l'hôtel des chasses qui se trouve derrière. En 1853, l'hôtel des chasses, qui est la partie entourée en rouge là-haut, apparaît sur les cartes. Il est accolé à la féculerie qui est à côté en forme un peu de clé. Le 19 février 1853, les héritiers d'Urbain Sartoris décident de louer les terrains de l'ancienne féculerie à Jean-Alfred Chanudet. Donc les Rubichon ayant fait faillite sur leur première idée de lotir la Garenne-Colombes, c'est leur banquier, Urbain Sartoris, qui va reprendre le dossier. Et comme il va décéder très vite, ça va être ses héritiers qui vont s'occuper de la gestion de tout ce bloc. Donc en 1853, parmi les bâtiments loués, on nous indique une maison dite autrefois hôtel des chasses, consistant en un grand bâtiment composé au rez-de-chaussée de trois chambres et d'une cuisine, au premier étage de quatre grandes chambres et au second étage de neuf pièces, dont quatre à feu, comprenez avec des cheminées, caves et greniers, et donc deux remises ouvertes de 40 mètres de longueur. Donc on retrouve toujours cette forme un peu bizarre, très longue. Dès 1864, cet hôtel n'a plus d'activité. Et le cahier des charges du lotissement du 12 juillet 1864, qui fut vraiment le premier dossier de lotissement de la Garenne-Colombes, est décrit les lieux comme suit. Maison et bâtiment de l'ancienne féculerie sur le chemin de Beson. Apparemment, tout le lot est devenu une féculerie. En un grand bâtiment composé au rez-de-chaussée de trois chambres et une cuisine, au premier étage de quatre chambres et au second étage de neuf pièces. Là, on est à une maison et bâtiment de l'ancienne féculerie sur le chemin de Beson. Et le rez-de-chaussée a été affecté précédemment à un établissement de marchands de vin, traiteurs. Ils ne font plus que des pièces au nombre de quatre. Donc les chambres ne sont plus que des salles de réserve. Cet hôtel, on le voit ici, c'est le carré un peu en travers qui se trouve au milieu ici. On voit que la partie remise a été supprimée. Le journal officiel du 13 mars 1878 annonce la vente de cet hôtel.
une maison 6 à Charlebourg, commune de Colombes, avenue Bression, donc c'est la rue Kléber maintenant, connue sous le nom d'Hôtel des Chasses, contenance 1551 mètres environ, mise à prix 2000 francs. Donc là, il est vendu 2000 francs en 1878. On voit l'évolution, donc ici, vous avez en 1890 cet Hôtel des Chasses, qui est toujours ce bâtiment un petit peu en travers, là-haut. En 1899, on le voit ici, et on voit apparaître les pavillons qui existent toujours devant. Vous avez trois pavillons devant, et l'Hôtel des Chasses qui est en travers. Alors voici cet Hôtel des Chasses tel qu'il était en 1910. Il a été surélevé. L'ancien Hôtel des Chasses s'arrêtait à peu près à la bande blanche, à mi-hauteur. Il a été surélevé à la fin du 19e, début 20e. Il est devenu la propriété de M. Prévost, qui était mécanicien au 14 avenue Comté. Et puis ensuite, il a été vendu à de multiples copropriétaires, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Et ce bâtiment, vous pouvez le voir encore de nos jours. Le voici. Donc il a été ravalé, on ne voit plus la bande blanche de séparation. Ce sont des appartements. Et il y a donc les trois petits pavillons devant. Mais ce bâtiment, du moins le bas, était l'Hôtel des Chasses. Et l'intérieur n'a pas bougé. On a pu le voir, les caves, les escaliers, les appartements. Il reste même la marche d'entrée de l'auberge en bas. À côté de cet hôtel, les Rubichon avaient construit une auberge qu'on appelle tout d'abord l'auberge Robert, puis la maison Robert, puis la maison Bailly. Alors c'est pareil, cette maison a été construite à peu près en même temps que l'hôtel, c'est-à-dire vers 1820-1824. Et on la retrouve donc toujours sur ces plans de 1834. La maison Bailly, c'est ce petit bâtiment qui est en bas ici. Donc l'adjudication de 1832 décrit la maison Robert de la manière suivante. Cette maison occupe un emplacement de forme triangulaire, pour ce qui est du terrain, et se compose d'un bâtiment sur la route, et d'un deuxième bâtiment adossé au premier, et d'un troisième appentis, usage des lieux d'aisance. Donc ici vous avez l'auberge, et ici vous avez les toilettes. Il y a un terrain derrière. Le principal bâtiment, double en profondeur, se compose de caves, d'un rez-de-chaussée, d'un étage carré, d'un grenier au-dessus, avec un comble couvert en tuiles. Le deuxième bâtiment, alors on ne voit pas la distinction, en fait le bâtiment est de double profondeur. Et le deuxième bâtiment derrière est adossé au premier, est élevé sur un terre-plein d'un rez-de-chaussée sous un appentis couvert en tuiles. L'intérieur est divisé en deux parties, l'un formant l'écurie et l'autre formant une remise. Le petit appentis, donc les toilettes à côté, est couvert en tuiles. Et il a un siège ordinaire et une porte pleine. C'est vraiment cité dans les textes. Et le terrain qui est à la suite est en culture de légumes et de fleurs. Donc à l'intérieur, on se trouve donc une cave, se trouve un rez-de-chaussée avec une boutique, une grande salle et quatre chambres. Au premier étage, il y a un corridor au milieu et deux chambres de chaque côté. Et c'est fait pour construire plusieurs petits logements, mais en 1832, lors de cet acte, on indique que les pièces sont éclairées par des lucarnes avec croisées non vitrées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de vitres aux fenêtres. En 1832, cette maison a été construite depuis presque 10 ans, mais elle n'est toujours pas terminée. Du moins pour le premier étage. Dans les cahiers d'enchères du 1er juin 1834 et le mai 1842 et le bail de location de 1843, cette maison devient la maison Bailly, du nom de son propriétaire, un féculier de la Garenne. Je vous expliquerai par la suite qu'est-ce que c'est que de la fécule. Et donc c'est la propriété de M. Bailly, Édouard Bailly. Alors à l'époque, on va décrire en 1842 cette maison également. On va l'appeler autre maison, dite maison du peintre. Donc c'est le seul endroit où on trouve ce nom de cette maison, c'est la maison du peintre, ou la maison Bailly, avec dépendance à usage d'auberge. Donc ça se compose toujours la même chose, hein,
Une maison côté L sur le plan, avec 5 pièces au rez-de-chaussée, dont 2 acheminées et de 2 cuisines, 7 pièces dont 3 acheminées et une niche au premier, et de 4 grandes pièces acheminées au deuxième étage, en mansarde, avec une écurie derrière pour 6 chevaux, des caves et un grenier. Et puis une pièce de terre, vous voyez, triangulaire, qui longe la route de Beson, de la contenance de 1 hectare et 2 arcs 90 centiards. Donc ça, c'est la rue, ce qu'on appelle maintenant la rue Kléber, qui passe là. On la retrouve, cette maison, en 1853, sur le plan précédemment qu'on a vu. C'est donc la petite maison entourée en rouge, au coin, qui sert donc d'auberge, à côté de l'hôtel des chasses. En 1830, une maison située 11 rue Kléber est propriété de Monsieur Finance, est déclarée comme très ancienne et peu salubre. Et en 2020, cette maison située à l'angle des rues Kléber et Sartoris existe toujours et semble bien être la maison Bailly qui aurait traversé les siècles. Donc voilà, c'est cette maison qui se trouve juste à l'angle de la rue, qui a été ravalée il y a 2 ans, je crois, qui a été restaurée, et qui est probablement l'ancienne auberge Bailly. Et on voit ici l'intérieur, avec son escalier qui monte aux étages et dessous l'escalier qui va à la cave. Donc je vous ai parlé que ces maisons appartenaient à des féculiers. Et qu'est-ce que c'est que la féculerie? Donc c'est la première industrie qui a été créée à Charlebourg, c'est donc cette féculerie. Alors avec le développement de la pomme de terre, la fabrication d'amidon, l'amidon de pomme de terre s'appelle la fécule, a pris de l'essor. Et l'avantage de cette fécule, c'est qu'elle peut être faite avec des invendus de pommes de terre, voire même des pommes de terre abîmées, ce qui était un grand plus pour les agriculteurs de la région, qui pouvaient ainsi écouler les surplus de leur production. Elle est utilisée dans des domaines très variés. Elle est utilisée dans la décoration, c'est avec de la fécule de pommes de terre qu'on fait la colle à papier peint. Elle peut servir pour les enduits. Elle sert aussi à la photographie dans les autochromes, c'est à la base de fécule de pommes de terre. Ou pour l'alimentation, elle sert d'épaississant dans la pâtisserie, dans les sauces, dans les soupes. Elle est d'une faible valeur nutritive et, chose très importante actuellement, elle est également sans gluten. Comment on fabrique cette fécule? Eh bien, on prend des pommes de terre, on fait 2 lavages, on les râpe à 800 tours minute, puis on les écrase au haloir. Après avoir séché dans une étuve, elle est à nouveau écrasée au rouleau et passée au blutoir avant d'être ensachée. La force motrice, généralement, et c'est le cas à la Garenne, est fournie par des chevaux qui tournent dans un manège. On va le voir ensuite. La pomme de terre fournit 17% seulement de son poids en fécule, et le dictionnaire des arts et manufactures de 1845, donc contemporain de cette féculerie, indique qu'il fallait jusqu'à 120 000 litres d'eau pour traiter 200 hectolitres de pommes de terre, et que les frais de fabrication pour ces 200 hectolitres revenaient à 17 francs 80 les 100 grammes, alors qu'on pouvait la vendre 22 francs les 100 grammes. Donc c'est pareil, cette féculerie a probablement été construite par Maurice Rubichon entre 1820 et 1824, et elle est accolée à l'hôtel des chasses. C'est assez curieux, elle a collé l'usine à un hôtel. On a des descriptions au fur et à mesure des ventes, hein, en 1832, en 1842, mais on a la description de ce bâtiment. Et en 1834, c'est un monsieur Chapollard, aubergiste, qui loue la féculerie. Et en 1843, c'est à nouveau le monsieur Victor Gou, fabricant de fécule, et son épouse, qui possèdent la féculerie. Donc la féculerie, c'est ces bâtiments A, B, C, D, E, qui se trouvent ici. Alors elle consiste en une maison d'habitation située sur la route de Beson, désignée par la lettre A sur le plan. Cette maison se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine, d'une petite pièce, d'une grande salle, d'une chambre à coucher avec cheminée, d'une pièce en retour servant de bureau pour la féculerie avec laquelle elle communique derrière. Au premier étage, il y a 3 grandes chambres et une cuisine. Et au deuxième étage, 4 pièces et une cuisine. Il y a un grenier, bien sûr, comme toutes les maisons de l'époque. Les bâtiments servant à l'exploitation de la féculerie, qui sont ceux désignés par la lettre B, ici le grand bâtiment, c'est là que sont placées les caves et la râpe, avec un cellier adjacent, derrière,
Le tout ayant 40 mètres de longueur, avec un haloir au-dessus, régnant sur toute la longueur. Celui côté C, où se trouve le manège, couvert à contrebas en fonte. Donc là, vous avez l'usine, en quelque sorte, et en C, vous avez le manège, où des chevaux tournent pour faire tourner un moteur. Le petit bâtiment côté D sur le plan est composé de 6 pièces au rez-de-chaussée, ici, dont une contient le blutoir et 5 autres servant de magasin. Et au premier étage, il y a une grande pièce et des étuves pour étuver la fécule. Et il y a un puits côté E, là-haut, donc le puits qui est apparemment commun à la fécurie et à l'hôtel. Alors c'est un grand puits, hein. Il fait 5,50 m de diamètre et il fait 2,50 m de hauteur. Et au-dessus, vous avez une cuve pour faire monter l'eau et la stocker dans la cuve pour pouvoir ensuite travailler à l'usine. Dans ce manège, il y a donc un axe qui tourne, actionné par des chevaux. Et sur cet axe, il y a 3 pignons. Il y en a un qui sert de moteur à la râpe, le second au blutoir, et le troisième sert à manœuvrer une pompe qui monte l'eau du puits dans la cuve qui se trouve au-dessus. Et il y a des tuyaux qui permettent la distribution. On les voit vaguement sur ce plan entre le E et le C. Les petits points sont les tuyaux d'arrivée d'eau. Et puis, il y a une pièce de terre, comme toujours, derrière, de 1 hectare, 82 arts, 82 centiards. En 1853, donc, on voit cette féculerie en forme de clé accolée à l'hôtel des Chasses en haut et à côté de la maison Bailly en bas, qu'on a déjà vu. Et en 1853, les héritiers d'Urbain Sartoris décident de louer les terrains de l'ancienne féculerie à Jean-Alfred Chanudet. On retrouve toujours les mêmes noms. Le bâtiment est alors ainsi décrit. Alors on mélange un peu tout, hein. On mélange la féculerie, l'hôtel des Chasses, la maison Bailly, une maison dite maison Bailly, à l'usage de nourrisseurs, située sur la route de Beson à Paris, constituant un bâtiment composé de 5 pièces au rez-de-chaussée, et au premier étage 7 pièces, donc on retrouve toujours les mêmes descriptifs. Et le loyer annuel est de 2500 francs. Alors c'est un bail de 9 ans et 9 récoltes. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'arrêter un bail avant que la récolte soit faite. Et 9 récoltes entières et consécutives. Donc la location commence le 20 novembre 1852 et se termine le 20 novembre 1861, date à laquelle elle est renouvelée jusqu'au 20 novembre 1870. Alors le cahier des charges du lotissement du 12 juillet 1864, qui est donc vraiment la création du lotissement d'Algarenne-Colombes, décrit les lieux comme suit. Maison et bâtiment de l'ancienne féculerie sur le chemin de Beson. Donc déjà en 64, elle n'a plus d'activité. La première maison à droite, dite l'ancienne laiterie, forme un bâtiment double en épaisseur, avec un premier étage, 5 croisées sur le chemin et un deuxième étage. Donc au rez-de-chaussée, il y a 4 pièces sur le devant et d'anciennes étables dans le fond. Le rez-de-chaussée précédemment a été loué à un marchand de vin traiteur. Il ne forme plus que des pièces au nombre de 4 servant de magasin. La féculerie n'apparaît plus sur les plans de 1865. Vu sa situation, on peut la situer à peu près à la place de cette maison au milieu. Vous êtes là sur la rue Kléber. Et vous avez l'hôtel des Chasses qui dépasse légèrement derrière. Et cette maison très ancienne est probablement tout ce qui reste de l'ancienne féculerie. Donc il y a une partie industrielle, hôtel, etc. Et progressivement, il va falloir, la population va s'établir autour. Et le conseil municipal du 11 décembre 1812 prend la décision de construire un marché volant dans le quartier de Charlebourg, car la population de Charlebourg, les Groux, les Champs-Philippe, a fortement augmenté. Et ce marché est établi le dimanche, car la population est principalement ouvrière, et à l'époque, les ouvriers étaient payés le samedi soir. Donc dans la mesure où ils n'avaient pas bu leur paye le samedi soir, les épouses pouvaient faire leurs courses le dimanche matin au marché. Alors le premier marché, que l'on voit ici, est donc installé le 3 août 1913,
Donc ça, c'est vraiment une photo du début du marché sur le boulevard national. Hein, ce sont des documents qui proviennent de la collection particulière de M. Raymond Lecougaray. Et on a ici le boulevard national qui passe derrière. Et on a le premier marché qui se trouve devant. C'est un marché volant de 50 places dont l'exploitation est concédée à Hippolyte Ancillon pour 1000 francs par an. Et Hippolyte aussi, Ancillon, est le gérant de ce marché, mais est également le gérant des marchés de Colombes, de Bois-Colombes, d'Anières. C'était vraiment un monopole qu'il avait sur le coin. Alors bien sûr, ce marché ayant été créé en 1913, il a eu un début difficile, car dès 1914 arrive la guerre et la restriction des denrées qui pose des problèmes pour ce petit marché. Puis ensuite, un terrain est mis à disposition de la ville par la Société des Transports en Commun de la région parisienne pour y déplacer et fixer ce petit marché sur la place de Belgique elle-même. Donc on va tourner, on est à peu près sur le bout de la rue Kléber, pas très loin de l'hôtel des Chasses, et on va tourner, on va venir sur la place, vraiment sur la place qui s'appelle maintenant la place de Belgique. Ce marché sur la place de Belgique, que peut-être certains d'entre vous ont connu, il est de 1000 m² à l'origine, et puis il est agrandi pour venir en 49 à un total de près de 2400 m² de marché. Il ne va pas rester très très longtemps, puisque d'abord par décision du 3 juillet 1951, la ville de La Garenne-Colombes décide de moderniser cette place en créant une boucle autour de la place pour la RATP. Donc autour de ce marché, on va créer une boucle, on va raser des maisons, et on va créer une boucle pour les transports. Et on va aménager un terre-plein central pour le marché. Ces travaux n'étant que provisoires, puisque les ponts et chaussées prévoyaient déjà la création du boulevard de Verdun 1916, en expulsant et les riverains et le marché. Donc ce marché va vivre un peu plus de 10 ans. Et entre 1857 et 1863, le marché est progressivement transféré au Champs-Philippe. Donc dans un premier temps, il va être à la place du square du 11 novembre, puis il va être fermé à suite de dégradation, il va devenir éphémère sur la place des Champs-Philippe, et maintenant il n'y a plus de marché dans ce quartier-là. Donc je vous ai dit qu'autour de ce marché, on avait fait passer l'RATP. Donc il y a eu des bus et des tramways. Alors les premiers transports publics qui desservent la Garenne-Colombes appartiennent à une société qui s'appelle la Courbevoisienne. Ce sont des calèches tirées par des chevaux et l'itinéraire est fixe. Il part du cadre de la rue de Rivoli à Paris, les véhicules passent par les Champs-Élysées, le pont de Neuilly, la rue Basse de Beson à Courbevoie, la rue Haute de Beson à la Garenne, donc qui est l'actuelle rue Léon-Maurice-Normann, le boulevard national, il tourne rue de l'Aigle et arrive à l'embranchement, qui est la place de l'Europe, et continue jusqu'au terminus à l'église de Colombes. Un premier projet de tramway pour remplacer ces calèches est déposé en 1897 pour transporter les voyageurs du PEC à Courbevoie en passant par Houille. Cette ligne ne va jamais être réalisée et aurait dû suivre approximativement le trajet du 176 actuellement. Tout a vraiment démarré le 13 septembre 1900 par un arrêté de la préfecture de la Seine qui établit un nid de tramway entre Colombes et Argenteuil. C'est la société des tramways mécaniques des environs de Paris qui installe deux lignes. La numéro 62 qui part du pont de la Jatte à Neuilly et rejoint Maison Lafitte par l'embranchement et Charlebourg. Et le numéro 64 qui part aussi du pont de la Jatte pour se terminer à l'église de Colombes. Ensuite, cette ligne 64 va être prolongée d'un côté jusqu'à la porte Maillot et de l'autre côté jusqu'à Beson. Voilà, on voit un de ces tramways qui passe sur le pont de Charlebourg vers 1910 avec un premier wagon fermé et un deuxième wagon très chargé, ouvert à tous les vents. Donc les tramways mécaniques des environs de Paris ont repris le 1er juin 1910 par la Compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine et les trajets des deux lignes 62-64 ne changent pas. Toutefois, le 6 mars 1912, la ligne 64 est scindée en deux, un tronçon qui va de la mairie de Colombes à la porte Maillot et un tronçon qui va de la mairie de Colombes
à Quai-de-Beson. Donc on scinde la ligne en deux. Là, on a un très bel exemple de ce tramway de la ligne 64 qui allait donc de la Porte Maillot à Colombes. Un document qui date de 1910. Le 1er décembre 1911, en plus des deux lignes 62 et 64, on va créer un tramway 63 qui part de l'embranche en passant par le boulevard de la République. Pour gérer tous ces tramways, on va créer un dépôt sur le boulevard national à la Garenne-Colombes. Puis ensuite, cette société des tramways de Paris et du département de la Seine va être absorbée par la société des transports en commun de la région parisienne, plus connue sous les initiales de STCRP. Finalement, le 12 mai 1921, cette société décide de modifier le tracé de la ligne 64 pour le faire terminer à la gare d'Argenteuil. Alors, cette prolongation est validée par Jean Bonnal, qui est conseiller général de la Seine et qui est également maire de la Garenne-Colombes. Mais dès 1924, très vite, l'engouement pour ce genre de transport fait que les trois lignes, 62, 63 et 64, sont tellement surchargées que le matériel s'use précocement. Les tramways passent donc de 87 à 100 places avec du matériel neuf. Et la ligne 64 est prévue d'être doublée par une ligne 64 bis, mais cette ligne très vite déficitaire va être fermée au bout de quelques mois. Puis les tramways sont remplacés par des trolleybus, puis des autobus qui encombrent moins la voie puisque contrairement aux tramways, les trolleys et les bus peuvent se déplacer sur la rue pour éviter les encombrements. Et alors, j'ai quelques images qui rappelleront sûrement des souvenirs à certains d'entre vous. Vous avez ici un trolley, qui suivait avec les câbles en haut, et qui permettait donc de se déplacer latéralement pour doubler un véhicule. Et ça, c'est une photo de 1951, avec... Cette auberge qui est restée très longtemps au milieu. Là, vous avez le dépôt des bus, tel qu'il était, tel qu'il est toujours plus ou moins d'ailleurs, actuellement. Là, dans les années 60, on voit cette place de Belgique avec un de ces anciens bus et ces vieilles voitures comme les deux chevaux ou les Sim Camille que l'on voit au fond. Et le marché donc se trouvait sur cette place derrière le bus. Alors l'idée du tramway revient 60 ans plus tard. Et le 1er juillet 1997, la ligne de tramway T2 remplace la ligne SNCF sur la partie Puteaux et ici Plaine, avec un prolongement jusqu'à la Défense. C'est de la Défense que la ligne est prolongée jusqu'à Beson en 2012, traversant la Garenne-Colombes et Colombes avec un arrêt à Charlebourg. Donc, retour du tramway assez tôt. Donc, cette partie s'activant, on va développer les industries. Il y avait la féculerie qui avait disparu. Et on est maintenant dans un endroit assez dégagé où on va voir arriver différentes industries. Donc, ces industries vont se construire principalement sur le boulevard national. La première industrie qui va se créer, ça va être la poudrette. La poudrette que l'on voit ici au milieu avec ces deux silos qui se trouvent presque à la limite de Courbevoie. Alors, je ne vais pas vous passer de photos du travail de la poudrette et vous allez comprendre très vite pourquoi. Jusqu'à la mise en œuvre du tout à l'égout, les produits de vidange des fosses septiques étaient conduits vers des décharges municipales, puis séchés et transformés en poudrette, engrais sec apprécié des agriculteurs. En 1842, le docteur Jean-Pierre Boissier-Suquet et le chimiste Léon Kraft font breveter un procédé nouveau consistant à appliquer le protoxyde de fer hydraté à la désinfection des produits des fosses d'aisance et à la fabrication simultanée de poudrette et de sels ammoniacaux. Donc cette société qui va être créée, qui s'appelle la société Kraft et compagnie, dont les bureaux sont à Paris, va construire une usine à la Garenne-Colombes. Enfin, à l'époque, c'était Colombes, à la limite de Courbevoie. Et cette usine de Charlebourg déclare assurer en quelques heures la dessiccation entière des matières fécales solides et leur transformation en poudrette inodore
inaltérable et facile à transporter. Et elle semble connaître un fort succès, puisque très vite, ils vont traiter 50 hectolitres de matière par jour. Et à partir de 1859, la poudrette va également traiter le sang des abattoirs de Paris, qu'elle convertit en engrais azoté. On imagine bien, on voit bien que cette usine est au milieu de nulle part, parce qu'on imagine bien la puanteur qui devait se dégager de ces travaux. Puis vient l'assainissement de Paris, entrepris par le baron Haussmann, et Eugène Belgrand, qui est le chef des services des eaux et des égouts, et ça va provoquer la disparition de l'usine, de la poudrette, puisque tout va partir dans les égouts, et le cours seront repris vers 1866 par une usine à gaz. Donc sur cette carte de 1906, on voit toujours cette usine, à la place de la poudrette, il y a toujours ces deux silos, il y a même un troisième petit au milieu. Et ça va être une usine à gaz qui va se construire ici, une usine pour le gaz d'éclairage. Elle est créée par la Compagnie du gaz général de Paris, dont le siège social est également à Paris, et l'usine, comme pour la poudrette, se trouve ici à la Garenne. C'est à cette compagnie que la ville de Colombes va faire appel pour éclairer l'éclairage public de son territoire. Le 22 juin 1869, le conseil municipal décide d'installer les quatre premiers becs de gaz qui éclaireront Charlebourg. Il y avait en 1904, donc à peu près à l'époque de cette photo, 489 becs de gaz et 199 lampes à huile pour éclairer la Garenne Colombes. Donc cette usine fabriquait au début du XXe siècle, donc à l'époque de la photo, 1 million de mètres cubes de gaz par an et vendait également du coke pour le chauffage, 45 000 hectolitres. Ils avaient donc 3 gazomètres, dont 2 gros et un petit, et une quarantaine d'employés, et c'était une des plus grosses entreprises de la Garenne Colombes. Plus tard, vers 1913, la famille Peugeot, qui était propre, a acheté les terrains et va faire construire un premier bâtiment industriel de fabrication de véhicules. Alors revenons un petit peu sur l'histoire de l'entreprise Peugeot. Un siècle avant la création de la marque, vraiment, Armand et Robert Peugeot achètent les terrains de la Garenne Colombes pour y construire une usine de camions. C'était prévu pour une usine de camions à l'origine. Mais très vite, l'entreprise va se trouver à l'étroit. Et en 1913, elle va acheter d'autres terrains pour s'agrandir. Puis après la Première Guerre mondiale, la voiture s'étant banalisée, ce n'est plus uniquement un produit de luxe, et donc il va falloir produire encore plus, et l'usine va s'agrandir. Donc le premier bâtiment est construit à une structure métallique dite de type Eiffel, et est terminé en 1919. Finalement, les poids lourds qui étaient prévus de construire ici vont être construits à Sochaux, mais Peugeot va garder les terrains. Et finalement, elle va finir par construire dessus une usine pour stocker les véhicules de Sochaux, usine raccordée à la voie ferrée, et ces camions de Sochaux vont venir ici pour être réparés et pour être revendus. En 1933, c'est l'installation d'un bureau d'études qui va faire une longue carrière à cet endroit-là, et d'un premier atelier d'usinage du bois pour l'atelier de carrosserie du Quai de Passy à Paris. Donc on est encore à une époque où les carrosseries étaient entièrement en bois, faite à la demande de l'acheteur. Alors l'idée, c'était sur ce terrain, c'était de regrouper tous les établissements auparavant éparpillés dans la région parisienne, et on grimpe à un établissement de 50 personnes. Puis le site va fabriquer des véhicules légers. En 1934, il y aura 55 employés. Et puis une usine de mécanique est créée pour fournir l'outillage des usines à Sochaux et produire des pièces de rechange au secteur de l'aviation à essence. En 1939, déclaration de la guerre, les employés sont affectés aux commandes de l'armée qui souhaitent des ambulances pour le front. À partir du châssis et du moteur de la Peugeot 402, l'usine construit l'ambulance modèle DK5J, c'était son nom en interne, qui est utilisée entre autres par le 11e régiment étranger d'infanterie de la Légion étrangère lors de la campagne de Lyon en juin 40. Alors ce véhicule aura beaucoup d'éloges pour sa tenue de route et sa tenue aussi à travers champs. Bon, avec 1940, la mobilisation, le personnel va être réduit et produira beaucoup moins de véhicules.
va arriver un épisode un peu difficile pour Peugeot. En 1941, ils vont inventer le DMA. C'est le premier camion à cabine avancée, c'est-à-dire que le moteur ne se trouve plus devant, mais sous la cabine du conducteur. Ce sont donc des camions, je dirais, qui n'ont pas de nez, hein, qui sont tout plat devant, le moteur étant sous la cabine. Alors ce camion a été créé pour l'armée française. Malheureusement, on est en 1941, occupation de la France par l'Allemagne, et la totalité de la production est livrée à la Wehrmacht. Et en plus, ces locaux vont être réquisitionnés pour égarer les chars d'assaut. L'usine va donc redémarrer après la guerre, en 1945. Ils vont fabriquer toujours ces fameux camions avec le moteur sous la cabine, mais ce coup-ci, ça va être plutôt destiné aux commerçants et aux artisans. La guerre terminée, comme pour la première guerre, la clientèle va à nouveau venir réclamer des véhicules, et là, ça va être des cabriolets Peugeot 202 qui vont être produits à La Garenne-Colombes en 1945. En 1947, l'usine occupe déjà plus de 68 000 m². Elle a une usine principale de 4 étages avec les ateliers de carrosserie, d'usinage, d'entretien et de montage de moteurs, ainsi que le centre technique. Et à côté, dans les bâtiments annexes, se trouve l'entrepôt, le centre de livraison et toujours l'aciérie pour les châssis. Plus loin, on va avoir une centrale d'acétylène, le traitement thermique, le garage, sans oublier la chaufferie, le service social et l'infirmerie. Alors, on va progressivement augmenter la production, notamment des Peugeot 202 coupés décapotables, des fourgons tôlés et limousines commerciales en bois verni. En 1950, donc, approximativement au moment de cette photo, les employés vont produire des Peugeot 203, puis la production va baisser à La Garenne. Mais pourtant, c'est en 1952 qu'à La Garenne vont être faits les tests en soufflerie de la 403. Donc on continue à produire les 203 cabriolets, puis on va y adjoindre un magasin central chargé de fournir le réseau en pièces détachées. Ce magasin atteint un effectif de 265 employés en 1959. Donc la production de cette usine, malgré qu'on l'ait agrandie, comme on peut voir sur cette photo de 1953, la production de cette usine va baisser et progressivement les employés vont être transférés dans d'autres usines et on va garder principalement ici le centre d'études et de recherche et d'essais, la direction des pièces détachées et le magasin central et le centre de livraison pour la région parisienne. C'est toutefois ici qu'en 1979 va être créée la future 205. Car les bureaux d'études continuent toujours à tourner et à produire. Donc vous connaissez ce bâtiment. Donc en 2018, les activités de Peugeot sont toujours regroupées dans le même pâté de maison. Donc à l'adresse d'origine, au 9 boulevard National, se trouve la filiale Peugeot La Défense, qui commercialise les véhicules neufs et l'occasion, et fait aussi la réparation et la location. Un peu plus loin, au 71, dans la tour Nova, s'est installée Sodexa, la filiale du groupe, spécialisée dans les véhicules diplomatiques et de transit temporaire. Enfin, il y a une petite rue latérale sur le côté, la rue des Fauvelles, et au 18, c'est l'entrée du centre technique, chargé de la recherche et du développement. Une évolution donc, sur ce terrain, un protocole a été signé le 19 décembre 2017 entre la commune, PSA et la RATP, en présence de l'EPADESA qui gère la défense, pour lancer l'étude de l'aménagement du secteur PSA-RATP Charlebourg. Peugeot va vendre rapidement son site de La Garenne-Colombes. La RATP, dont le centre-bus est obsolescent, entend le moderniser. Et la ville veut profiter de ses projets pour poursuivre la restructuration de sa partie ouest et notamment le désenclavement des champs Philippe qui se trouvent derrière les usines. Et à partir de la vente de PSA, la commune pourrait créer, en liaison avec l'aménagement de Charlebourg, une nouvelle zone à vocation tertiaire, dotée d'équipements collectifs et agrémentée d'un parc de 2 hectares. Donc ça, c'est l'avenir de Charlebourg. Un dernier petit point sur Charlebourg, la place de Belgique et sa fontaine. Alors, dans l'entre-deux-guerres, M. Bourguignon, un Garennois, président de l'amicale franco-belge de l'Ouest parisien, écrit à la ville de La Garenne-Colombes afin de substituer le nom de Place de Belgique à celle de rond-point de Charlebourg.
Alors le conseil municipal, en 1937, lui donne satisfaction, d'autant que cette place ne porte aucun nom officiel et qu'à l'époque, c'est une petite place qui se trouve au carrefour du boulevard national et du boulevard de la République. Et c'est une petite place aussi pour le marché, mais c'est vraiment un carrefour de deux rues. Ce n'est pas la place qu'on connaît maintenant, puisqu'on a démoli les maisons qui sont au milieu. L'inauguration de la place de Belgique elle-même a eu lieu le 28 mai 1938 en présence de M. Paul Letellier, ambassadeur de Belgique, nommé depuis la veille, de M. Hénin, consul général de Belgique, qui vient en voisin puisqu'il habite aux deux rues de Plaisance, à la Garenne. Il y a également M. André Grisoni, maire de Courbevoie, et le docteur Charles Jubert, maire de la Garenne-Colombes. C'est déplacé pour la cérémonie Théodore Casalis, le conseiller général, qui participe donc à la cérémonie. On va entonner la Marseillaise pour la France, la Brabançonne pour la Belgique, jouée par la musique du 1er régiment des guides. Il y a bien sûr un grand banquet qui va suivre cette cérémonie. Et on va éditer une médaille à cette occasion, qui vient de la collection de M. et Mme Daudan. Inauguration de la place de Belgique du 28 mai 1938. Cette médaille va être distribuée à la fin de la cérémonie. Alors, pour redonner de la personnalité à cette place, il n'y en avait jamais eu beaucoup, hein, on va faire appel à un plasticien, un garennois, Michel Deverne, qui se situe à mi-chemin de l'architecte et du sculpteur, et qui est auteur de nombreux ouvrages en France et à l'étranger. Donc on va lui demander de construire, de créer cette fontaine, qui est une fontaine en mosaïque de 270 mètres carrés, évoquant la chute d'une petite planète, et elle est inaugurée le 17 septembre 1983. Voilà donc cette fontaine que probablement beaucoup d'entre vous ont connue, sur la place de Belgique. Alors Michel Deverne, qui était né en 1927, est décédé tragiquement en 2012 dans l'incendie accidentel de son pavillon. Mais toutefois, il va voir la disparition de sa fontaine, car le passage du nouveau tramway et la construction de bureaux vont faire disparaître cette fontaine en 2008, au grand regret de certains. Luc Brossolette, avocat spécialiste de la défense des créateurs, va dire « La petite planète avec ses émaux, heureuse diversion pour l'œil de l'automobiliste, a été sacrifiée pour que quelques mètres carrés de bureaux supplémentaires. » Il faut dire aussi que l'entretien de cette fontaine était très onéreuse, puisque c'était une sculpture, et donc il fallait l'entretenir, et chaque petite tessèdre de cette fontaine devait demander le déplacement de l'artiste pour la changer. À la destruction de sa fontaine, l'artiste a reçu en dédommagement une commande d'une œuvre murale intitulée « Énergie ». Notamment cette fontaine ont toutefois permis la construction d'immeubles de l'architecte Norman Foster, qui est un architecte de renommée mondiale. Voilà. Donc, voici terminée l'histoire de ce quartier de Charlebourg. Je vous invite, si vous le souhaitez, à venir consulter notre site www.histocolombes.fr pour voir un petit peu quels sont les travaux que nous faisons. Et vous pouvez également, si vous n'hésitez pas, à nous écrire à notre adresse histo.colombes@gmail.com si vous avez des questions sur l'histoire de la Garenne-Colombes. Et nous vous ferons bien sûr un plaisir de vous répondre. Merci.